On est la première organisation syndicale du CHU déjà depuis un petit moment. Donc notre ambition première, évidemment, ça serait de rester les premiers. Mais au-delà de ça, c'est de continuer l'accompagnement des agents au quotidien, c'est-à-dire tous les accompagnements disciplinaires d'une part, les accompagnements de reclassement professionnel suite à des problèmes de maladie, les accompagnements, les évolutions des services avec le lien avec le futur CSE qui va être la nouvelle organisation qui va se mettre en place là au mois de janvier. Donc voilà, et c'est maintenir les actions qu'on peut faire au quotidien pour les collègues. Au-delà de la prétention de rester la première organisation syndicale au CHU, il faut qu'on sorte de cette posture, mais c'est vraiment de continuer à maintenir, nous, nos effectifs nécessaires de façon à pouvoir accompagner nos collègues au quotidien, participer avec la direction sur les accords des négociations collectives qui se mettent en place, l'accompagnement qu'on peut faire sur tous les sites extérieurs. On est présent tous les mardis à Bois-Guillaume, tous les mercredis à Saint-Julien et tous les vendredis en une nuit sur tous les sites, enfin voilà, à la demande des agents, et d'être là en permanence sur le site de Charles-Nicolle de 7h du matin à 17h.